Oui, c'est comme ça. Ma voiture a lâché, je suis hier, nu. C'est quand même ici, le chauffeur est parqué, ça doucement. Continuez, Kongororo. Ah, c'est comme ça. Donc, il fallait attendre jamais au garage, tout ça. Il fallait chercher l'argent, il fallait payer, voir ta vitesse. Tout est gâté. Il faut voir 450 000. C'est ce qu'on appelle l'imprévu. Je ne vous ai pas merdé. Je dis merci ceux qui m'ont aidé, c'est tout. Je ne dis pas les noms, mais merci. Vous m'avez aidé, merci. Si vous n'avez venu, il faut cotiser ici. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Nous souffrons chaque jour pour vous aider. Il n'y a pas de voiture, mais comment? Je suis resté, j'ai appelé à Abidjan pour qu'on m'envoie une voiture jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on m'a envoyé, donc ben, je me suis trouvé pour revenir ici. C'est ça les difficultés que nous rencontrons souvent. Et c'est souvent pénible, on y va, parce qu'on le fait avec passion. Pour nous, la vie n'a pas de prix. Pour nous, c'est notre part de sacrifice. Mais nous avons aussi besoin de vous. Vous avez besoin de nous soutenir. Amen. Voilà, vous avez besoin de nous soutenir. Nous ne sommes pas comme les gens ici, là, quand tu viens, on te dit, voici ce que tu dois faire. Mais c'est vous qui devez soutenir le ministère. Amen. Amen. J'ai deux voitures garées au garage. X-Fight et Laguna. Depuis, j'ai chanté ça dans l'oreille des gens. Je ne peux pas rouler une seule voiture. Si j'ai une seule voiture, si la voiture est gâtée, je fais comment? Vous voyez ça? Ah, vous avez dans les comptes, on vous dit, cotise, donne, 1000 fois. Voilà, c'est comme ça. Ce sont les difficultés. Merci, il y a des gens, que ton téléphone est moi, ma voiture est gâtée, je ne suis pas là pour me donner là. On dit le prophète, voilà. On a une maison qu'on appelle Wesley Mignon là. Faut aller prendre l'argent là-bas. Amen. Et puis j'ai allé les prendre. Voilà, non, merci pour cette personne. Ma voiture au garage, je suis obligé. Si vous nous aidez, vous allez voir. Ah, Jésus avait l'onction, mais c'est les gens qui soutenaient le ministère de Jésus. Doriane, si tu pries pour moi, que ça va. Nous, on a prié pour les gens, ça va bien. Les millions ont été décantés. Il y a un frère, j'ai prié pour lui. Il m'a blagué comme on blague un voyou. Il me dit, prophète, bien, Abidjan. Bon, tu veux quoi? Il dit, moi, je fais le travail de Dieu. Il dit, non, vous laissez faire le travail de Dieu. Moi, il te fait un cadeau. Qu'est-ce que tu veux? Vous êtes content. Il dit, ah, vous êtes content. Mon groupe musical, il n'y a pas d'instrument. Il dit, non, laisse là. Il dit, moi et le ministère, on est liés. Il n'y a pas prophète à soi, pas. Il n'y a pas ministère à part. Il dit non, c'est tout. Il dit oui. Tu veux quoi, quoi? Il dit je veux moteur Israël. Il y a les frères patrouille pour attraper les sorciers. Ah! Ça fait comme il est dit. Le moteur Israël, ça fait 22 millions. Pour renouveler mon groupe musical, il faut 5 millions pour avoir tout le reste. Ça, c'est nul, c'est nul. Ça, là, c'est pas. Combien? C'est pas mon problème. On a besoin même de l'or. Or qu'on a besoin d'envoyer, c'est 1700, n'est-ce pas? On a besoin de 9000. Or, à Yamaya, 9000, ça fait plus de 800 000 francs. Ah, c'est rien ça. Ah, c'est joué. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire se jouer? Moi, je suis musicien. Mais on se débrouille avec ça, notre toclo, on se débrouille. Ça, c'est rien ça. Femme m'a déchiré. Tout cela est déchiré et déchiré. Il dit, ok, il faut venir. Il m'a donné rendez-vous. Je vais chez Abidjan, il me tourne, je l'appelle. Il dit, il faut attendre un peu. Je l'appelle après, il dit non. De venir la semaine prochaine. J'ai vu la semaine prochaine, la famille son téléphone. Oui. Mais oui, je suis choqué. J'ai même dit au frère, je lui dis, mais il joue à quel jeu? Tu m'appelles pour dire, viens. Or, ce monsieur, je l'ai délivré d'une situation. Sa femme avait une insuffisance rénale. Elle était guérie au travers de mes mains. Je lui ai montré la vidéo à Armel. J'ai dit, voici la situation de sa femme. Comme elle était avant, maigre, elle a grossi. Or, le monsieur, son Ghana, il va investir dans chez les prophètes de Ghana. L'homme est grand, hein? Il pleurait, c'est moi qui suis allé délivrer. Je suis allé dans sa cour, en évêque Canary, où il y avait la chair humaine. Sa maman voulait le tuer en novembre. Je ne dis pas son nom. Son fils, même, c'est ici, il a été éduqué. Je n'ai pas demandé, toi, tu m'as appelé, tu dis, viens, je te rends le service. Comme tu m'as beaucoup aidé, là, je ne peux pas toujours venir à Divo, je te fais un don, tu ne vas jamais oublier. Mais ça veut dire quoi? Respectez les hommes de Dieu. Voilà. Ils sont faits de jouer. Si vous voulez vous amuser, allez vous amuser à ballon de terrain de football. Vous asseyez, non? Je parle kamikaze. Oui, mais c'est choquant, je suis choqué. Maintenant, voici, pouf, ma voiture est gâtée.
Amen. Ça fait mal de voir que les gens, par moments, ils sont ingrats. Ils sont très ingrats. L'ingratitude. Aidez-nous à faire avancer le royaume de Dieu. Voilà. Si vous investissez dans notre travail, vous allez faire avancer le royaume de Dieu. Le ministère est unique au monde. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a attrapé sorcier, délivré sorcier. C'est nous le faisons ici. Nous faisons déplacer le monde entier. Le monde arrive ici. Ils ne sont pas équipés. Et c'est dans les ministères bizarres, bizarres. Il a vu de délivrer son gars, il va avec son argent. Ils sont au courant, lui-même il dit ça. Tu n'as rien dit quand je n'ai rien dit. C'est moi qui t'ai délivré. Il t'a pris comme ça. Je t'ai sorti de la situation. J'ai dit, laisse-moi au front. J'ai matraqué tout le monde. Ils ont tous matraqué. Je t'ai fait sortir de la situation. L'argent est bloqué. Moi, grâce au pris, c'est débloqué. T'as construit, t'as fait des choses. C'est moi et moi qui ai joué. Je suis ballon. Plia pas Anaki. Aki yo ya nazai. Plia pas ya nazai. Oh,
to patako lo mo ayao Namo suyone ma patako patako lo mo ayao Eri era godima ye patako patako lo mo ayao Oh,
De sorcellerie, vous délivrez de leurs mains. Amen. Ils sont très dangereux. Alléluia. Amen. De toute façon, il y a la prison physique, il y a aussi une prison spirituelle. Quand tu constates que tu n'avances plus, et tout commence à se détruire autour de toi, il faut chercher à faire ta délivrance. Il ne faut pas t'asseoir. Il faut t'élever pour aller faire ta délivrance. Le jour où Jacob a compris que ça n'allait pas chez lui, il a lutté avec l'ange de l'Éternel toute une nuit. C'est là que Dieu a changé son nom. Au lieu de Jacob, Dieu va changer sa destinée. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Amen. Ton nom sera Israël. Quand ça ne va plus, bien aimé, il faut lutter avec Dieu. Et ça, c'est important. Il ne faut pas s'asseoir. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Dieu, on le cherche et on le trouve. Amen. De nous à Dieu, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas de problème. Lui, il a la solution au problème. Ah non, il t'a dit, c'est loin. Ah, très loin. Tu ne souffres pas. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui dit ici, ils vont aux États-Unis pour se faire soigner. On délivre celui qui peut te soigner, là, le spécialiste, là, il se trouve aux États-Unis. La vie n'a pas de prix. Tu as les moyens, va te faire soigner. Il y a des spécialistes dans beaucoup de domaines. Nous, c'est nos spécialités. Oui, à sorcellerie, c'est dans nos villages. C'est l'intérieur. Abidjan, les autres chocos. On a choisi l'intérieur. Et le pays d'Ida, c'est là-bas, il y a trop de sorcellerie. Depuis qu'ils sont là, on les a tous mis au pas. Ils sont obligés de faire gêne forcé. Amen. Voilà. Ils sont obligés de faire gêne. Pendant que tu te lèves matin, tu manges garba et poisson ton. Et quand ils se lèvent matin, c'est la chair humaine. La nuit, il mange. Heureusement que ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Même en France, on fait sorcellerie. Il y a la petite fille Benguise, sorcière. Je vous dis, même à Paris, on fait sorcellerie. Quand tu n'es pas délivré, c'est grave. Ici, nous réglons le problème de sorcellerie. Sorcellerie qui avait dit lanceur de sorts.
Amen. Oui. Donc chaque homme de Dieu a sa grâce. Nous ne réglons que les problèmes de sorcellerie. Ah, le prophète Krasso n'est pas de sorcellerie. Mais en quoi c'est mauvais? Amen. Au moins, il y a des gens qui, pour les inquiéter au moins. Vous savez, les sorciers, là, ils sont très dangereux. Nous, nous inquiétons les sorciers. Quand un sorcier rêve, puis voit le prophète Krasso, il fait un cauchemar, le blé de se réveille. Voilà. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est un don Dieu m'a donné. Moi, je combats la sorcellerie. Ce n'est pas de l'orgueil. Je combats. Quand Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Amen. C'est un pouvoir pour neutraliser la sorcellerie, pour détruire la sorcellerie. Demain, même, je vais commencer à vous donner des petits secrets sur certaines choses en matière de destruction des œuvres de la sorcellerie. Pour ça, vous allez voir quelqu'un manger l'homme, ils sont les délivrés. On désactive ses dents. Son cerveau est libéré. Et quand les sorciers matent, vous regardez, vous voyez un canard, un cabri, un mouton, en train de vous manger. Ils veulent vous manger. Pendant que tu dis papa, bonjour, lui voit le cabri qui lui dit bonjour. Il doit faire un peu de soupe à Tchéké, à Bodjama pour manger. C'est le meilleur Tchéké de la Côte d'Ivoire, à Tchéké, à Bodjama. Quand la sorcellerie dans votre famille, c'est grave. Le signe, c'est la frustration. Frère, quand tu es attaqué spirituellement, parents liés, ça se sent. Tout se dégrade autour de toi. Amen. Il faut chercher un spécialiste pour régler ça. Il y a les gens qui peuvent voir clair. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous pouvez voir, parler. Les marabouts font ça. Nous, on était avant, on battait là-bas des parents. Mon père était un grand gars qui fréquentait les petits. Il y a les gens, les choses que les gens disent sur mon père. On dit sur mon père. Clair. Mais ils n'ont pas la solution. Ils n'ont pas la solution, le problème. Amen. Or, ce n'est pas n'importe qui combat sorcier. Il y a un homme de Dieu qui disait, j'étais selon 50 hommes de Dieu, d'un grand ministère, qui lui apporte beaucoup de conseils. Il dit, je respecte ton ministère parce que tu t'as fait la grâce. Et je lui ai dit, merci, c'est une grâce de Dieu. Et que, comme si c'est comme dans la médecine. Et toi, ta spécialité, c'est comme la chirurgie. Or, on savait que la chirurgie, ce domaine-là, c'est un travail très délicat. Si tu as raté, le cas il meurt. C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de patience ici. Nous, on doit savoir qui te mange, occupant la frappe la nuit. Est-ce que vous ne savez pas? Il y a des choses qu'on ne va pas vous dire. Amen. Il y a des choses. Michel au Togo, je suis allé mettre un sorcier ou pas. Ce n'est pas la sorcellerie. Quand je mets un sorcier ou pas, là, je le mets au pas. Je mets tous les sorciers ici au défi. Si vous voulez aller en Inde, allez vous ravitailler. Ce n'est pas parce que je suis ici que je bavarde. J'ai fait déjà le tour de la Côte d'Ivoire. Jésus est resté Seigneur. La seigneurie de Jésus, là, ça ne se discute pas. Il est Seigneur, point bas. J'ai vu Jésus à l'œuvre. Combien de fois les sorciers m'ont attaqué? Je suis allé dans un village. Je descends, je vois plus le village. J'attends que les oiseaux chantent. J'ai dit, mon Dieu, mais je suis déjà. Je vois le désert, le sable, partout. Les gars sont chauds, je suis en train de battre ça. Oh, le maraîcher est en train de souffrir. Je suis en train de souffrir, je ne vois rien. Mon appel. Vous savez, quand Dieu t'appelle, il y a une alliance qui tisse avec toi. Il a dit, quand il m'appelait, quand j'avais Jésus, il dit, aucun sorcier sur la terre ne pourra te vaincre. Aucun fétiche ne pourra te vaincre. Cette parole m'est revenue. Or, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Je descends, on a traversé l'eau, la lagune, pendant 3 heures. Moi, j'ai vécu des choses, hein. Souvent, ici, sur la lagune, à Grand Laou, j'ai fait 15 kilomètres sur l'eau. Les moucherons me piquent parce que les sorciers ont traversé l'eau. Ils sont quelque part à Gadon dans un village. Ils sont des poursuivants. Ah! J'ai pris 2 ans de matraquer les gens grands là-haut. La nuit, jusqu'à 1h du matin, j'ai débarqué dans le village à Gadon. Et tous m'ont dit bravo. On les a délivrés. On a délivré le village. Ce qu'on a vu là-bas, c'est grave. Je suis allé attaquer un village.
Le village le plus terrible à Grand Lao. On appelle les Sunam. C'est un village terrible en matière de sorcellerie. C'est une industrie de chair humaine. Disons. Et ils vendent ça là-bas, comme on va maquiller. On fait le maquille, on fait bouler la brèche. Et là-bas, c'est qui tu veux là-dedans. Il dit, ok. Or, si j'arrivais à rentrer dans le village pour renverser les forteresses, c'est fini. Je prenais tout Grand Lao. Mais pour arriver là-bas, j'ai traversé le mont, laissé arriver. Dès que j'ai touché le sable, c'est fini, le village a disparu. J'irai le Dieu-Voirien, frère. J'irai, c'est la lagune. Est-ce qu'il faut marcher sur eux comme Jésus? Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Amen. Tu n'as pas dit t'as trop associé. Ouais, vrai, vrai sorcier. Amen. Dieu met toujours l'homme à l'épreuve. J'ai écouté la voix de Dieu. J'ai vécu des choses. Mon petit sorcellerie. C'est la comédie. C'est la comédie. Je viens le village désert sur le sable. Mais quand les voyants, ils sont dans le village. Or, le maréchal souffre. Il fait comment? Je ne vois rien. L'onction m'a pris. Je suis rentré dans un combat. Or, dans le combat, j'étais en train de détruire toutes les prisons. Dans chaque village de Grand Lao, il y a eu un représentant d'un sorcier dans le village qui m'attendait. C'est pas tout le monde qui venait. Hein? Les gens venaient prêcher. Hier, ton mari a fait comme ça. Attaquer sorcier sur les territoires. Il faut être appelé. Et il m'attendait chaque village, chaque famille envoyait un sorcier dans le village. Qui t'attend maintenant? Je suis rentré dans un combat. Dieu m'a montré une vision. Je commençais à combattre, détruire des choses pendant une heure. Juste. J'ai vu deux cocotiers jumelés et j'ai vu le village. J'ai dit, abattez-moi le cocotier. Dès qu'ils ont battu le cocotier, le village s'est repositionné. Et puis j'ai dit, ok. Il y a un gars qui est venu pour dire, non, toi, tu es dangereux. C'était la une des journaux ici, en 99. La presse a écrit, en 99. Elle m'a salué de fort. Il se met la première morte. C'est qu'on a montré dans le village. Je suis allé prendre le sang dans une maison qui avait le sang. C'est pas mis. Le sang humain dans une bouteille. Il fallait libérer le pétrole des grands lois. J'ai fait un travail. Alléluia. Amen. Donc vous devez soutenir ce ministère. Nous avons besoin de vous pour nous faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Vous faites avancer le royaume de Dieu. C'est un ministère que Dieu nous a donné pour vous aider à faire avancer le royaume de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui attaque le royaume de la sorcellerie. Et c'est comme ça que le village a été délivré. Et tout Grand Lao a été libéré. On a attaqué beaucoup de points, quelques fresco. Et quand je pars dans une zone, j'ai fait au moins deux ans, ou même une année. Et même de village en village, village en village, pour détruire. Nous avons besoin de vous. Pour aider le ministère à avancer. Voilà. Amen. Aidez-nous à faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, je serai obligé de vous recevoir tout à l'heure. Parce que c'est promis. Et puis demain, on va poursuivre sur la réception. Et le demain soir, on va faire le culte. Mais il faut que je commence une partie de la réception tout à l'heure. Amen. Amen. C'est ce que j'ai essayé de faire. Amen. Voilà, que Dieu vous fortifie. Soyez patients. Et merci pour votre patience surtout. Et que Dieu vous fortifie. C'est pas facile. Parce qu'il y a aussi des combats que nous livrons. C'est ça. Quand il vient ici, là, le sorcier, il te voyait comme poulet. Là. Il dit, ah, mon cabri est en train de fuir. J'ai mangé quoi? Or, quand eux, ils mangent la chair humaine, ils ont quelque chose qui gagne la longévité. C'est-à-dire, si toi, tu devais avoir 20 ans, qui sont 4, chacun prend 5 ans, 5 ans. Pourquoi? Parce que l'âme se trouve dans le sang. Amen. Vous allez voir le vu, il a 99 ans. Il est toujours là. C'est ça, aidez-nous à combattre le fléau. Aidez-nous à combattre le phénomène, qui est la sorcellerie. Il ne peut pas les soins accro.
Parce qu'ils gagnent quelque chose dedans. Quand ils arrivent à détruire un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui devait devenir grand cadre, il y a une promotion dans le royaume de la sorcellerie. Il y a une promotion. Il monte en grade. Or, les cadres que vous voyez là, Dieu ne donne pas n'importe quelle région, n'importe quelle famille. C'est pour le développement. Quand Dieu donne un cadre, c'est pour développer la région. Or, malheureusement, la sorcellerie est en train de détruire nos braves valides, ceux qui doivent développer nos régions. Meurent. Parce que le gars a mis de manger orteil. T'as mangé quoi? J'ai mangé quel? Et puis quoi? La tête. C'est tout. Oh, le monsieur, il a quelque chose là où c'est fini. On ne peut plus avoir un gars comme ça comme lui. Nous sommes tous uniques. On ne peut pas nous remplacer. Dis à quelqu'un, toi, on ne peut pas te remplacer. Jamais. C'est pour ça qu'on dit pète. C'est une pète. Et j'aime cette expression. J'ai perdu. C'est une pète qu'on perd quelqu'un. C'est une pète. Parce que tu es unique. On ne peut pas te remplacer. Impossible. Impossible. C'est pour ça qu'aidez-nous à combattre le fléau. Amen. Amen. Il y a des gens, leur destinée, c'est de développer les régions. Or, ils sont la cible des sorciers. Quand tu as une grande destinée, n'oublie pas que les sorciers vont t'attaquer. Hein? Alléluia. Amen. C'est ça le problème? C'est le problème aujourd'hui. Et malheureusement, l'Afrique en train de se dégrader. Nous perdons les bras valides des gens qui sont allés, qui ont emmagasiné des grandes connaissances, qui peuvent faire des grands débats, même avec les blancs, les gagner dans les débats. Les sorciers les mangent. Une fraction de cigogne. Aidez-nous. Aidez-nous à faire retrouver le royaume de Satan. Aidez-nous. Vous devez financer ce ministère pour que nous puissions faire reculer le royaume de la sorcellerie, pour que nos cadres puissent vraiment travailler librement. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Dès que tu es destiné, tu es attaqué par le diable.